CGPR, s'il vous plaît. Alors, CGPR, c'est le club des gonflés de la petite reine. Donc, c'était pour dire qu'on était vraiment des gens gonflés dans tous les sens du terme. Non. Et ben, petite reine, tu sais, c'était le nom du vélo bien avant. Sûr. Et voilà, c'est un club qui a été créé il y a... en 1977. Et donc aujourd'hui, vous avez organisé, à l'occasion de la fête du vélo, quelque chose de particulier. Oui, on a profité de cette fête du vélo pour attirer les Réunionnais, pour fêter le vélo et pour leur dire que finalement, faire du vélo, c'est vraiment un exercice de liberté, de fraternité, de solidarité, d'égalité. On est tous égaux devant les forts. Sur un parcours assez sympathique, je crois. La route, elle est magnifique. Je ne sais pas si les gens ont eu l'occasion de le voir, mais alors c'est une route magnifique. Gorgée d'eau, au niveau géologique, très intéressant. Donc on aura les guides du parc national qui viendront, ils vont arriver là, incessamment sous peu, pour déjà faire le paysage. On regarde, bon, malheureusement c'est un peu couvert aujourd'hui, mais ils vont nous faire découvrir toutes les curiosités géologiques du cirque de Salazie, de cette route magnifique. Merci Gisèle, on se retrouve à l'arrivée. Merci. Et le monsieur a mis des lunettes pour ne pas être reconnu. Exactement. Mais Antoche a dit que son balai n'est pas reconnaissable parmi tant d'autres. On les met là, après il arrive pour l'escalier là, c'est lui le juge de paix. Avant toi, on appelle l'évêque. Oh, ça sera. Ah, ils essayent de l'assistance. Oh, bon, alors. Allons-y, Jean Michel. Ça dit qu'on fait du vélo, tout le monde l'a dit. Donc, ils vont rivaliser pour le prix de l'élégance. Voilà, on va te trimballer. C'est bien ça. Je peux prendre ta place? Parce que moi. Ça, c'est qui, ça? Spider-Man. Sécurité. Voilà. Bon. Comment appelez-vous la romande? Pour la romande. Clairement. Et l'adjoint du sport, il est hors du département et je suis l'adjoint de la permanence. C'est pour ça que je vous donne le temps de parole. Jocelyne, Jocelyne, Jocelyne. Pour l'instant, je souris. Hein. Et le vétéran du peloton arrive. Vous allez chausser. Et toujours en famille. Et le vélo balai. Allez, 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 allez.
à petit et passer dans un petit goulot d'étranglement que vous allez franchir. Donc vous vous imaginez plusieurs milliards de tonnes de roches qui descendent et qui dévalent uniquement avec la force de l'eau. Impression. Tranquille, à l'aise. Tranquille, à l'aise. Tu fais dur, mais ça va. Le prix de l'élégance sera obligatoirement attribué à madame. On va dire familial, on va dire familial, tout le monde. Vous, l'élégance, femme, mine de rien. Le casque aurait été juste un peu plus grand. Ah, il a retrouvé les jambes parce qu'il est entré sur sa commune. Ah, toujours le sourire, Jocelyne, quand même. Donc, c'est le deuxième plus grand volcan sous île volcanique. C'est la deuxième plus grande île volcanique au monde, après celle d'Hawaï. En gros, on a pour le piton des neiges, pour 1070 mètres. En dessous, vous avez comme une faute de volcan pyramide qui s'étale comme ça et encore 4000 mètres de profondeur. Parce que la Réunion en elle-même, c'est un condensé de volcanisme. On a quand même coupé la Réunion comme ça. Vous avez deux tiers de l'île qui a été formée par le piton des neiges. Ça, c'est le massif le plus ancien qui a constitué la Réunion. On estime entre 2 millions d'années et 3 millions d'années. Donc, la Réunion, pour l'instant, au niveau de datation, on la situe dans ces eaux-là, entre 2 et 3 millions d'années. Donc, elle est 5 millions d'années plus jeune que nous. Il y a un autre membre du CCE qui a fait la rando. À mi-parcours, le Grand Prix du Sourire est déjà attribué. Bravo, Jocelyne. Merci, merci. C'est dur. Et voilà la tête du peloton, le groupe de chasse, le groupe de chasse, ils sont pas loin, et voilà Miss Sourire, super, le prix de la famille est décerné à, le sourire les gars, le sourire, sourire, sourire. Monsieur le DGS a montré l'exemple et accueille avec plaisir, j'imagine, cette randonnée sur son territoire. C'est une belle chose. Authentic Chevakin, pour récompense à toi d'avoir suivi tout le monde. Au début, merci, merci. C'était Elbourg. Ici, c'était Petit Sable. Et ensuite, comme Monsieur L, qui était le gouverneur de l'époque et a distribué en fait les concessions dans le cirque, donc comme il a fait pas mal justement pour ses colons pour s'installer, ils ont décidé en fait de donner ici le nom d'Elbourg. Au suivant. Ici, avant, c'était Elbourg. Et donc là-haut, c'était Salazie. Voilà. Et ensuite, ça a changé. Donc Elbourg restait là-haut. Et en fait, Salazie est venue ici. Et Petit Sable, c'est entre les deux, en fait. Voilà. Et en fait, Salazie, vous savez ce que ça veut dire ? Point tranquille. Comment ? Les coins tranquilles, non ? Alors, en fait... On a écouté Gabriel et on a oublié. Alors, bon refus, c'est bon temps. Parce que les malgaches, en fait, en général, ils ont des mots qui veulent dire plusieurs choses. Et à la base, Soalosi, ça vient donc des salazes, des trois rochers, là, des salazes, parce que ça ressemble, en fait, à une marmite que les malgaches utilisaient à trois pieds. Voilà. C'est ça qu'ils appelaient Soalosi. Et par extension, ça veut dire bon campement. Nous saluons l'arrivée de Monsieur Picardo. Donc voilà. Donc en fait, l'histoire de Salazie, elle est totalement liée justement au thermalisme. Donc moi, ce que je vous propose, pour pas trop vous embêter avec mes discours, c'est une petite activité. Donc en fait, on s'est amusé
à retrouver des photos anciennes, justement de l'époque de Salazie. Donc c'est pas celles que vous avez par terre, les photos anciennes, je les ai dans mes mains, et en fait je vais vous les passer. Et en fait ces photos, on a retrouvé les endroits où elles ont été prises actuellement. Nous avons eu le mot du départ, oui. Là nous sommes à l'arrivée. Oui, quel est le mot de l'arrivée? C'est le mot de l'arrivée. Bravo, merci Gisèle. Contente, bien passé. Très contente, vraiment. Merci. Juste une petite bulle farineuse pour rafraîchir. Oui, et puis bon, c'est le temps de Salazie. Hein. Là on va prendre notre boisson fraîche et puis aller à notre pique-nique, parce qu'il y a un pique-nique qui est prévu, traditionnel, riz jaune, zambreca, avec rougail. J'ai bien peur que les calories éliminées en vélo soient vite récupérées. Mais c'est pas un problème, on les éliminera intellectuellement demain. Merci. Débriefing entre participants et organisateurs et accompagnateurs. Des fraudeurs mariage. Avez-vous bien décontracté les muscles et l'esprit avec cette rando, après cette semaine chargée? Oui. On a eu le temps de réfléchir et voir. Il m'a bien pensé au bilan à faire. Eh bien, bon bilan, monsieur.